Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur la chaîne Les Recettes Gourmandes. Donc on est le lundi 12 août 2024, bienvenue. J'espère que vous allez bien malgré cette chaleur. Là il est 10h28, bonjour toi. Voilà. Depuis 7h30, je n'arrête pas, j'ai tout fait. J'ai rangé, j'ai plié le linge. J'ai pas repassé ce coup-ci, il n'y avait pas besoin. Sinon, je me mets la clim, ça ne me dérange pas. Mais de préférence le matin quand même. Ensuite, les poussières de tout partout. Bon, moi, j'ai pas retiré les meubles ce coup-là, une fois sur deux. Donc, j'ai regardé, il n'y avait rien. Donc, je dis bon, ben voilà. Ouf. j'ai fait les lustres au plumeau, là. J'ai fait mes pieds de tabouret. Assez joli, moderne, hein, mais voilà. J'ai tout nettoyé, quoi. Les portes de placard, les traces de doigts de monsieur. Ah oui. Aussi donc les essuyer les vitres intérieures et extérieures de ce que je peux faire. La véranda c'est un peu plus compliqué mais on y arrive encore avec du mal mais on y arrive. Elle est haute, c'est ça quoi. Mais bon moi sur un escabeau c'est pas génial. Et j'ai une raclette et tout ça, mais voilà, j'attends qu'il fasse un peu moins chaud pour la faire. Enfin, voilà. Donc, j'ai tout lavé, donc au produit Ajax, là, j'ai pris Méditerranée 1, odeur, ça sent super bon du coup, j'adore. J'ai été dehors, donc je me suis fait mais bouffer par les moustiques. Je vais pas vous montrer, mais là, j'ai mes jambes. Ça se voit que je vais pas beaucoup au soleil. Hein. c'est pas trop mon copain hein, quand on a de l'asthme. En ce moment, c'est pas super, mais bon. On fait avec. On va pas tout le temps se plaindre. Je vous avoue que ce week-end, c'était pas génial quand même. Hein. Au niveau du ventre, là, ça va être temps que j'aille chez la docteur. Parce que. Ça va être un mélange qui se croise, qui se décroise. J'ai vraiment pas mangé beaucoup. Et là, je suis blanche, j'ai l'impression. Alors, pas de maquillage, hein, fait trop chaud. J'ai mis deux crèmes. Hein, pour pas que ça sèche, hein, parce que. Voilà, je ne vais pas avoir une peau sèche. Donc, mes produits Yves Rocher que je vous ai montré. Je vais me recaler un coup. Alors, à midi, ça va être à piocher dans le frigo. Moi, j'ai préparé l'assiette à monsieur, à chérie. Mais ça va être une salade de riz avec. Du jambon blanc, il reste encore des crampes monsieur. Ça sera pour chérie parce que moi je mange l'équivalent de deux compotes hein, en quantité. Donc voilà. Alors pour la perte de poids, bon, ouais, je vais vous le dire hein, pour ceux qui écoutent et qui me cassent après, c'est je m'en fiche, ça me passe dessus. voilà. Là j'en suis à moins. 5,8 kg. donc il a fallu que je reprenne de l'anti-inflammatoire. Donc vous savez que l'anti-inflammatoire pour certaines personnes, moi ça me fait de la rétention d'eau. Donc on ne perd pas beaucoup quand c'est comme ça. Mais je perds. Donc c'est ça qu'il faut voir en fait. C'est ça que je vois. Hein, je le sens au niveau de là.
Je pense que ça commence à se voir. Puis même là, là, ça commence à se voir. Je suis contente. Maman, quand je perds, c'est partout, donc c'est cool. Donc comme ça, j'ai pas trop la peau qui pendrouille après. Pardon. Mais voilà, ça fait vrai. Hein. Bon, on fait ce qu'on peut. Donc, j'avais dit moins 10 kilos pour Noël. Ça sera peut-être limite, mais c'est possible. Et ah oui, il reste septembre, octobre, novembre. Oui, c'est possible. C'est possible. Mm-mm. De toute façon, c'était des comptons à peu près, donc c'est facile à se rappeler. Pour ma pesée. Je dirais pas le poids parce que, je vous dis, c'est quelque chose pour des personnes proches. Voilà. Faut pas être dans l'obésité. On n'y peut rien, c'est une maladie. Hein. On n'a pas demandé. Hein. Donc voilà. Sandra, non. Je sais qu'on écoute en plus. Donc, quoique. Ça va faire passer un petit message. Hein, c'est peut-être le moment. Mais non, je suis respectueuse quand même. Voilà. Moi, je suis contente en tout cas. C'est pas que je me sens mieux parce que regardez, c'est mais là, c'est là que ça se passe. Ouais, c'est curieux. Je sais pas trop définir. C'est des spasmes, c'est sûr. Un peu de brûlure. Enfin, ça va passer. Oh, hier, je me suis fait un thé, donc ça me calme bien ça. Au gingembre citron. Alors bien évidemment je supprime presque le café, ça me manque hein. De manger pas de souci, il faut manger, mais je vais dire que mon petit café, voilà, là j'ai encore ma tasse de mon café de ce matin, vous voyez. Je voudrais réduire les trois quarts de mon café. Quoi. L'après-midi, c'est mon thé au gingembre, ça me fait du bien. Là, je vais recevoir j'espère que je vais pas écorcher le nom. Des probiotiques. En tout cas, dans ce sens-là, pour rééquilibrer là. J'avais fait une fois, ça m'a fait rudement du bien. Mais là, je ne vais pas en prendre qu'une fois. J'essaie d'y faire un peu plus régulièrement. Voilà. Alors, j'ai compris aussi dans mon alimentation de ce qui m'enflammait, aussi le ventre. Dans les commentaires, vous êtes adorables, mesdames. Une dame m'a demandé si c'était pas au gluten et je me suis posé la question aussi, mais chez mon médecin je vais en parler, je vais dire c'est plus possible là, pour moi, je vais en parler et je vais comment dire, bon, je sais que j'ai vu qu'on pouvait faire une prise de sang avant de passer un examen de l'intérieur pour prélever, enfin s'il faut je le ferai, mais et sinon je le ferai, je me ferai hospitaliser s'il faut, voilà hein. Et je vous tiendrai au courant. Mais je vais bien, mais je pense que j'aurai pas le choix. J'ai ça en tête et je pense que j'aurai pas le choix. Mon chéri, ça va, sauf que ça tient. Il a. Ce matin, il dit je vais compter mes jours. Qui reste. Là, on a long pont. C'est-à-dire que le 15 août, c'est jeudi. Alors, on sait tous que c'est férié. Nous, on commence le pont mercredi. Donc, du coup, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, on a ces jours-là
Pour faire une coupure, hein, pour aller jusqu'au mois de septembre. Bon, c'est juste à côté, mais ça tire. Voilà, on n'a plus 20 ans. On n'a plus 20 ans. Et chéri a mal. Il a les jambes lourdes, hein, alors qu'il est comme ça, par rapport à sa maladie. Hein. Sa maladie des muscles. Hein. Je ne vais pas dire le nom de la maladie complète, je n'aime pas. Même pas du tout ce nom. Voilà, qui met autre chose quand même. Voilà. C'est pas. Hein. Et puis voilà. Simplement. On a prévu de se faire. J'ai dit à chérie, tu sais, se faire un restaurant. Alors, j'ai des espaces, mais tout, c'est pas génial. Alors, ça l'inquiète vraiment, hein, ça, par contre, aussi. J'y suis venue, ça va partir. Mais là, ça persiste et. Pense que je vais être obligée de passer peut-être sur le. Oui, je pense. Je pense que il y aura quelque chose à faire. Mais si ça peut attendre octobre. La fille qui veut choisir. Ouais, parce que septembre, non seulement il y a nos vacances. Moi, j'ai une couronne à me mettre, c'est prévu. J'ai mes 3 rendez-vous, 4 rendez-vous. Donc, ça va passer vite. Entre-temps, j'aurai sûrement un examen à faire, une échographie, quelque chose comme ça. Voilà. Ou alors, allez savoir, peut-être que j'aurai un traitement pour le moment. Est-ce que c'est. Comment ça s'appelle? L'intestin. Je sais pas. Je sais plus le nom. Mais peut-être un traitement pour tout ça. Au lieu d'une opération, ça serait bien. À voir. En tout cas, là, c'est au quotidien. Alors, ça se passe. C'est curieux. S'il y a des infirmières qui écoutent ou si vous pouvez m'en dire quelque chose de tout ça. Ça se passe et ça tient 10 jours. On n'y a pas plus. Et en plus, j'avais dit à chérie, oh, ça fait du bien, j'ai plus rien. J'ai même plus de douleur de. Là, de la fibromyalgie et j'ai pu juste toutes ces tous ces endormis, c'est cool. J'aurais mieux fait de me taire. Voilà. Bon, sinon tout va bien. C'est juste pour vous dire que c'est ah, c'est pas agréable. Pour vous dire aussi, c'est quand hier, non, samedi. On part en course. Donc, nous les femmes en général, à chaque fois qu'on part quelque part, on va aux toilettes. Je sais pas si c'est votre cas, mais moi si. Je sais que je pars, il faut que. Voilà, donc ça s'est étouffé pourtant et tout. Après notre petit. C'était juste un petit retour action pour monsieur. J'ai qu'on rentre à la maison parce que ça me tord. Et je suis pas bien, je suis gênée et tout ça. Bon, ben d'accord, on rentre. Toc. Je reprends des espaces-fonds. Moi, j'ai des espaces-fonds. Des espaces-fonds un peu plus forts. Déjà pour l'endométriose. Enfin, bref. Et ça s'est passé. Voilà, jusqu'à midi, 1 heure, ça s'était passé. Donc, on a pu refaire le reste de course. Oh là là! Et après, l'après-midi,
J'ai des heures de pic, en fait. Voilà. J'ai le tyrolien. Voilà, j'ai mes heures de pic. Et voilà, une demi-heure près, c'est terrible. C'est dans les heures. Je n'ai pas de température. Ça, par contre, j'aurai de la température, je vais à l'hôpital direct. Hein. Je n'attends pas. Vous rassure, hein, je veux que je gère. Et puis voilà. On va voir tout ça. Ah, je vous dis, quand on s'y attend pas, et ben ça nous tombe dessus. Et puis voilà, quoi. Hein? Je vous montrerai mes poissons après. C'est une dame qui m'a dit de mon retour de course, j'ai dit qu'ils avaient grossi. Ah, mais faut nous les montrer. Moi, j'avais déjà montré. Je vais vous les remontrer. J'ai nettoyé ce matin. Oui, j'ai oublié, j'ai nettoyé mes poissons aussi ce matin. Voilà. Ouais, ils sont beaux. Non, mais ils se font pas mal, hein. Ils se tiennent compagnie, même quand ils dorment, ils sont allongés l'un à côté de l'autre, ils sont marrants. Ils sont marrants. Donc, on a un petit programme de prévu donc pour ces jours de repos. J'avais dit à Chérie que je ferais des lives. Je vous dirai ça en communauté ce tantôt. J'ai envie de faire. Bon, ça sera peut-être une surprise. Non. Pas aujourd'hui. Pour cette chaîne, les recettes gourmandes. Demain à 14h, si j'ai pas de changement de mon agenda. Et mon autre chaîne, La Voyance des cartes, pour répondre à vos questions, ça sera mercredi à 14h. On sera en repos, mais c'est pas grave. Chérie m'a dit, oh, mais tu fais tes chaînes, c'est normal et tout. Voilà. Alors, ah oui, je vous sais pas. Si, je vous avais montré pour maison. Hein? C'est génial. Ça bouge pas. Avec tout ce que je fais, ça bouge pas. Et j'ai mes pieds qui sont pareils. Je montrerai. Voilà. Allez. Ah! Je vais descendre la caméra. Oups. Je vais en faire une. Les pieds sont faits aussi. Vous les voyez ou pas? Je ne sais pas si vous les voyez. Ils sont faits, mes petits pieds. Et les petits pieds. Hein. J'en ai 37 et demi. Hein. Je sais pas si ça se voit. C'est pas grave. Voilà. Ouf. Et voilà. Là, on voit plus. Je vous dis, il faut pas toucher. Et voilà. Donc voilà. Ah, il y a un gros moustique là. Oh, on va pas être copain. Ouais. C'est terrible. On ouvre la porte, ils sont collés derrière les portes. Surtout qu'il va sentir sur les vitres qu'il fait frais de ce côté-là. Ben, frais. Si j'ai. J'ai 25. Donc oui. Mais je la laisse pas allumer tout le temps. Quand je sens que la maison est assez fraîche, ça va rester longtemps. Alors, en gros, sur 24 heures, ça tourne 6 heures. C'est génial. Donc voilà. Ah, j'ai avancé sur mon DP. Alors, j'en ai jusqu'à Noël, hein. Dans mon DP. Oh là là. Ah, il est magnifique.
Oh, j'ai regardé les reflets de ce qui. Du coup, je me mets dans la chambre parce que j'ai la clim. Dans mon bureau, je l'ai pas. Donc, je me mets sur ma chaise, mon fauteuil. Je me mets. Je mets mon épée sur ma planche là, hop, sur mon lit. Et j'en fais plein. Ah, il va être magnifique, hein. Mais alors. Montré à chérie pourquoi je mettais aussi longtemps. Ah, il dit oui. Et puis il dit il y en a un sur deux par endroit. J'ai dit oui. Et puis faut tout le temps changer de couleur. Dans les mêmes nuances, mais oui, je vais le faire. Hein. J'ai dit je vais le faire. Par contre, ça m'embête parce que j'ai envie de commencer les autres projets. Les grosses perles, hein, vous savez. Mais je vais suivi. Non, quand tu commences un projet, tu fais celui-là. Voilà. À moins que cette semaine, j'avance un bon paquet dessus. Et même en avançant beaucoup, on fait qu'une largeur, une rangée de ça. Et puis, il fait 50 par 70 quand même. Hein. Donc, ouais. Je vais le finir. Quand je vais poser le dernier. C'est comme mon projet de ma tortue là. Celui-là était très long. Mais le nounours là, il est trois fois plus long. Quoique après, on ne se rappelle plus quand c'est fait. Hein? C'est pas faux. Alors là, j'ai déjà bu la moitié d'une bouteille. Voilà. Ah, je vous dis, c'est beau. Ça repose, hein. On a regardé les poissons. Je sais pas vous, mais moi ça me repose. Hein. Ah ouais, il est trop beau. Il a une voile derrière. Je vais vous montrer après. Au départ, il était pas plus gros qu'un poisson rouge. Et la dame de Jardiland, elle m'a dit ils peuvent faire jusqu'à 15 cm dans les bassins. Là, c'est un petit aquarium, donc ce matin j'en ai fait une en nettoyant les plantes, puis il y en a deux trois du coup que j'ai dû rater un peu. On s'attendra le prochain coup, mais oui, ça vient de la lumière que ça verdit en fait. J'ai regardé sur internet. Alors pareil, la lumière, je la coupe. Au bout d'un moment. Alors, pour en finir, deux programmes, normalement, tout dépend de la santé. On va se mettre un petit peu en cuisine. Chérie, en cuisine, c'est très très rare. Hein. Ah, par contre, il fait des gougères trop trop bonnes. Et c'est quenelle à la lyonnaise de la recette de Béa. Béa, je te fais de gros bisous. Béa et création. Ah, ça, il adore et il l'a fait nickel. Sauf qu'il rajoute du fromage, des tranches de fromage avec le jambon. C'est une bonne idée. Et ça, je peux plus en manger. Si j'en mange un tout petit bout. Voilà. Donc on va se mettre un petit peu dans la popote. On va aller aussi à grands frais. Vous aurez peut-être des retours de course tous les jours. On va se faire un... oui, on s'est dit qu'on va se prendre de la bonne viande. Je sais pas trop cher non plus quand même. Hein. On va mettre 15 euros dans une plaque de viande. Quoique là-bas c'est les prix quand même. Hein. Donc on verra. Des bons légumes aussi. Fruits. Ah oui, j'ai mis la nectarine à manger. Alors j'hésite, mesdames, messieurs, à les manger. Je vais la sortir là pour qu'elle ne soit pas trop froide tout à l'heure. À midi, ça va être une tranche de jambon. 3 cuillères de riz. Et ma nectarine. Voilà.
Donc, il y aura un grand frais. Alors, on va aller dans une autre action qui est pas si loin que ça. Elle a duré, je sais pas combien de temps cette vidéo. Mais pareil, je suis avec vous. J'aimerais me trouver, je les vois passer dans les chaînes YouTube. Vous savez, les gros champignons là qui s'éclairent et tout. Pour encore de la déco, quoi. J'ai trouvé sympa. Puis des autres choses, on verra si j'y trouve. Il est plus grand comme action. Donc, un retour de course, un haul action. Pas faire un retour action, moi, mais bon. Alors, grand frais, action, les courses normales du drive du week-end. Oui, et puis alors, on n'a toujours pas été à la piscine. Donc là, j'aimerais bien qu'on y aille. Voilà. Donc je sais que, allez, 1 h 30, ça nous suffit. On se trempe, on est bien. Voilà. On peut pas rester ni l'après-midi, ni la journée, encore moins la journée. Donc, j'aimerais qu'on se fasse au moins une piscine, là, ça serait bien. Puis voilà. Je vais arrêter, ça va être une demi-heure la vidéo. On va regarder en plusieurs fois, sinon. Ça vous repose, hein? Bon, Françoise, je te fais de gros bisous pour ton mari qui est à l'hôpital encore. Je mets mon mail dans la description, Françoise. Tu sais, quand je fais mes titres, il y a la description en dessous. Je mettrai ma boîte mail. Et puis après, on peut s'échanger le téléphone, mais pas directement comme ça, le téléphone. Et uniquement pour Françoise ou d'autres personnes que je commence à bien connaître pour cette boîte mail. Hein. Sinon, je supprime. Hein? Voilà, vous êtes assez responsable. Hein? Voilà, moi je vais vous montrer les petits poissons. Attention. Hop. 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 J'ai pris mon trépied, c'est mieux. Alors, ça c'est le gros. Le long, je vous dis, il a une grande voile derrière. C'était un poisson rouge, donc il n'est pas tout jeune. Hein? Et j'ai nettoyé. Hein? Et puis il y a le petit en dessous qu'on a pris pour lui faire de la compagnie. Et bien, il est beau, hein? Il est argenté. Il sait que je suis à côté, donc il a dit, ouh, elle va nous en donner encore à manger. Et vu cette longueur, on est hop, je vous mets comme ça. Elle veut ça? Elle veut la longueur de sa voile. Voilà. Il est beau, hein? Alors, ouais, je leur donne ça. Voilà. Moi, je commande sur Amazon parce que ce Jardiland, c'est trop cher. Bah, écoutez, hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous en une demi-heure, voilà, hein? Je vous fais de gros 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 bisous, j'ai pas de maquillage, rien, ça sert à rien, il fait trop chaud, prenez soin de vous, et je vous dis à, là je vais faire mes programmes pour la communauté des deux chaînes, pour ça abonnez-vous, comme ça vous recevez tout, gros bisous.